transhumanisme. Qu'est-ce donc le transhumanisme? J'ai introduit dimanche dernier, on va avancer. Oui. Alors, nous connaissons cette grande théorie de l'évolution de l'homme, théorie de Darwin. Qui dit que l'homme, il y a plusieurs théories, n'est-ce pas? Quitte de l'état d'Australopithèque à Homo habilis, Homo erectus. Dis à ton voisin, tu étais Homo erectus. Quelqu'un dit sans effet. Homo erectus, homme de Néandertal. Qui était homme de Néandertal? Tu avais certainement un oncle, quelqu'un qui était de Néandertal. Et finalement, nous sommes aujourd'hui, après cette théorie d'évolution, l'espèce humaine change. L'ADN, la structure, l'ossature squelettique, musculaire, organique, le cerveau, tout change de l'intérieur à l'extérieur après un certain temps. Et c'est ce qu'ils ont dit en termes de... C'est Darwin qui l'a défendu en termes de la théorie de l'évolution. Et c'est là où les choses se sont passées. Et selon lui, la théorie de l'évolution suggère que toutes les espèces vivantes sont en perpétuelle transformation et subissent au fil du temps et des générations des modifications morphologiques comme génétiques. Ce concept a été présenté par Charles Darwin dans son ouvrage « L'origine des espèces » publié le 24 novembre 1859. Aujourd'hui, ce tableau pourrait être présenté différemment. Autrefois, c'était de l'homme de Néandertal à l'Homo sapiens. Aujourd'hui, les choses vont changer. Aujourd'hui, nous quittons du chimpanzé à un homme connecté avec l'intelligence artificielle. Autrefois, c'était du chimpanzé à l'Homo sapiens, l'homme de Néandertal. À l'Homo sapiens, aujourd'hui, c'est la prochaine évolution attendue dans le monde, et notamment par ceux qui prennent le transhumanisme. C'est l'homme entre dans une ère où il va évoluer, où les espèces vont évoluer. Voilà pourquoi ils font des tests sur les animaux, les chiens, les souris et autres, parce que tout doit évoluer, la faune, la flore. Aujourd'hui, il est très rare de voir les plantes qui sont vraies, tomates vraies, poivres vraies. Tout est changé aujourd'hui. Quelqu'un me suit? Parce que les espèces ne sont plus originales, comme vos yeux avec vos maquillages, vos rouges à lèvres, vos verts à lèvres, vos noirs à lèvres et vos oranges à lèvres. Plus rien n'est naturel. Excusez-moi, je suis désolé, mais ça devait sortir. Dites avance, prophète. Et la prochaine évolution, il croit qu'actuellement, l'homme entre dans une nouvelle phase où l'homme est en train de changer. Le rêve transhumaniste d'Adolf Hitler, j'ai tenu à mettre cela dans mes notes pour vous en parler, parce qu'un homme avait aussi ce rêve. Au-delà de ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose de très fort s'est passé dans la mentalité de cet homme. Il avait autour de lui non seulement des personnes élevées en spiritualité, des sorciers, Adolf Hitler, mais il avait aussi des scientifiques. Bizarrement, là où il y a des scientifiques, il y a les occultistes. Les termes comme paranormal, les termes comme deuxième monde ou monde astral ou monde de l'au-delà. Aujourd'hui, les scientifiques ont d'autres termes pour expliquer cela. Quand vous allez dans un coin entre la Suisse et la France, dans ce centre qu'on appelle CERN, ce centre nucléaire, tout ce qui se fait là-bas se fait pour plusieurs raisons. Notamment, on veut ouvrir un vortex pour que quelque chose entre. Serge Bertolucci, je pense que c'était un Italien, directeur de ce centre, avait dit: nous voulons ouvrir une porte vers une autre dimension afin que quelque chose entre. Il appelle ça de unknown unknown, l'inconnu inconnu. Quelque chose peut entrer dans notre dimension. Quand on parle de physique quantique, monde quantique, qui a suivi Quantumania? Moi j'ai suivi, vous lisez que la Bible. J'ai suivi Marvel, Quantumania. À peine arrivé, je cherchais Quantumania pour suivre. Et c'est ça un peu le monde, l'autre monde, d'autres univers, le multivers, toutes ces choses-là peuvent être des synonymes aux choses que nous décrivons habituellement. Une autre dimension. D'autres dimensions dans le monde spirituel. Amen. L'histoire explique clairement que cet homme n'avait pas que
l'armée ou l'art de parler, de convaincre, des ambitions, de régner sur le monde. Mais il avait aussi une pensée en lui de pouvoir créer une nouvelle espèce, une nouvelle race qui va évoluer, qui réfléchira différemment, agira différemment, combattra différemment, qui sera supérieur. C'est ainsi qu'il parlait des nazis. Amen. Et il faisait généralement, il faisait comment encore? C'est ce qu'il faisait à l'époque. Mais j'aime dans la Bible, quand vous lisez dans la parole de Dieu, Dieu dit à Moïse, il dit, Moïse, tu te présentes devant la mer rouge, il dit, lève la main, étends la verge, et fends-la. Lève la main. Le déclarant et décrétant que tout ce qui était mer rouge devant toi est en train de s'ouvrir. Et tu passes dans le nom puissant de Jésus. Je lève ma main devant toi comme serviteur de l'Éternel. Ma droite de Dieu, la puissante droite de Dieu. Dans Exode 15, quand Moïse commence à célébrer Dieu, à élever Dieu pour ce miracle de la séparation de la mer rouge en Dieu, il a dit, ta droite, oh Dieu, pourtant c'était sa main. C'était la main de Moïse qui était étendue, mais il dit, Éternel, ta droite, oh Dieu, ta droite. Laisse-moi te dire, la droite de Dieu portera ta droite comme un gant. Oh, tu n'as pas entendu. Ta main est comme un gant ce soir. Dieu va introduire sa main à l'intérieur et ta main sera confondue à la sienne. Je décrète et déclare, tu imposeras les mains aux malades et seront guéris. Tu vas à la maison, tu étends la main, tu dis, j'ouvre cette porte. Tu parles à ton portefeuille, j'ouvre cette porte. Tu parles à ta carte bancaire, tu dis, j'ouvre cette porte. Et tout ce que tu diras se fera au nom de... Tel, mettez-vous, tel Osborne disait en son temps, Dieu n'a des mains que tes mains pour guérir. Il n'a tes pieds que tes pieds pour se mouvoir. Il n'a ton cœur que ton cœur pour ressentir des émotions. Il n'a ton corps que le corps qu'il a pour être en mouvement. Je crois que Dieu le fera. On peut nous fixer ça. Faites-nous signe. On va avancer. Le message n'est pas dans les notes, le message est en moi. On acclame très fort. Amen. Et c'est la prochaine évolution de l'homme. L'homme qui est augmenté. L'homme qui est génétiquement transformé. Et c'est ce qui ne se fera pas, qui a déjà commencé à se faire. Soyez rapide, s'il vous plaît. Qui a déjà commencé à se faire aujourd'hui. Voilà pourquoi ma prière est que Dieu te préserve. Amen. Parce que derrière cela, il y a une grande complexité d'industries qui travaillent autour de ça. Vous n'avez aucune idée. Tant sur le plan technologique que sur le plan spirituel.